Bonsoir tout le monde, on va attendre 45, hein, le temps que les gens arrivent. Je pense que ça marche. Ça marche. C'est une conférence. Ça marche. Bon, je vous propose qu'on commence. Merci à tout le monde d'être là pour cette troisième conférence. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Donc, cette troisième conférence est sur les comportements addictifs chez les jeunes. Donc, j'ai commencé par du cerveau, en fait. Et il y a un point important. À savoir, vous voyez que le cerveau évolue, c'est une diapositive que vous connaissez probablement, mais le cerveau fait sa puberté comme tous nos organes du corps. Hein, excusez-moi, ça a changé de slide.
Il part d'un cerveau non mature à un cerveau qui va évoluer en une architecture globale. Et cette architecture globale va finir vers 20-25 ans, en gros. Hein, à 20-25 ans, la structure cérébrale est finalisée. Donc, si vous amenez des substances ou certains types de comportements excessifs avant que la structure cérébrale soit finalisée, ben, il y a un risque de développer pour les gens qui sont vulnérables un process addictif. Et ça, c'est une diapo, je vous en ai déjà parlé pour ceux qui étaient dans les conférences précédentes, mais c'est une autre vision du cerveau, avec, vous voyez, des régions qui sont en interaction, et il y a quatre grandes régions cérébrales qu'il faut aussi connaître, hein, et répéter. De toute façon, l'apprentissage et la prévention se fait par la répétition. Il y a quatre circuits. Vous avez le circuit de récompense, vous avez le circuit de motivation, le circuit de contrôle et le circuit de mémoire. Et ces quatre circuits interagissent entre eux. Et s'ils interagissent entre eux, ça permet d'avoir un certain type de comportement comme satisfaisant, comme manger, boire, faire l'amour. Et dans les addictions, eh ben, ces circuits sont désynchronisés, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent chacun de leur côté. Vous avez d'un côté récompense, mémoire, apprentissage, tout seul la motivation, tout seul le contrôle. Donc vous imaginez bien, chez un cerveau, dans un cerveau en cours de formation, eh bien, il y a un risque encore plus élevé de désynchroniser ces cerveaux. Vous m'entendez ou pas? Regarde le chat. Super. Super. J'enlève le chat. La suite, alors c'est quoi? Bah, la suite, c'est les facteurs de risque de l'addiction. Ça, c'est une autre présentation aussi pour ces facteurs de risque. Et vous voyez qu'au centre de la vulnérabilité pour être addict, eh ben, c'est le développement personnel. Et donc chez les jeunes, ça va être essentiellement la puberté, la maturation cérébrale. Et il y a des différences garçon-fille en termes hormonaux, en termes d'évolution, etc. Ça interagit à droite avec tout ce qui est comportement, tempérament et troubles. Hein, et chez les ados, chez les enfants, il y a souvent bah, troubles hyperactifs avec déficit de l'attention, troubles oppositionnels avec provocation. Il peut avoir des troubles du comportement antisociaux. Il peut avoir tout ce qui est haut potentiel. Il peut avoir tout ce qui est hypersensibilité, etc. Et dans d'autres troubles, on peut trouver des troubles dépressifs, des troubles du sommeil, des troubles anxieux. Dans l'addiction, dans les facteurs de risque, il y a l'environnement qui joue un rôle majeur, hein, les amis qui consomment, les amis qui ont certains types de comportements, la tolérance des parents à l'égard des consommations, et puis les comportements globaux familiaux. Il y a des facteurs génétiques qui expliquent 40 à 70% des choses, et bien sûr, il y a ces facteurs cérébraux, et le cerveau mature autour de 20-25 ans, comme on se l'est dit précédemment. Chez les ados, on ne va pas tout de suite vers l'addiction. Chez les ados, on est dans des consommations d'expérimentation, d'usage simple. Donc l'usage simple, c'est ben, le plaisir, c'est le plaisir de consommer par exemple une cigarette, le plaisir de consommer un verre d'alcool, hein, l'usage simple. Et ça va souvent vers un usage excessif, avec usage excessif de tout, hein, des drogues, d'alcool, de tabac, de certains types de comportements. Et dans cette case usage excessif ou consommation excessive, vous avez encore du plaisir, il y a des dommages et il y a aussi un début de déplaisir. D'accord? Le stade d'addiction est possible, hein, plutôt on va dire fin d'adolescence, hein, c'est possible, même si c'est possible un peu avant, mais c'est un peu plus rare, mais ça existe. Donc l'addiction, c'est que des contraintes, des dommages et l'absence de plaisir. Mais ça, c'est une diapositive, encore une fois, qui est utilisable à différents âges de la vie. Alors, l'addiction, c'est l'impossibilité répétée de contrôler ce comportement de consommation de substances ou d'autres types de comportements, hein, comme je sais pas, les écrans, par exemple, enfin ce qu'il y a derrière les écrans, et on poursuit ce comportement malgré la connaissance des conséquences négatives sur sa vie, etc. C'est pour ça que je vous dis que à l'âge adolescent, on est plus dans
des expérimentations, des hyperconsommations et pour une petite minorité, des process addictifs. Alors, ça a sauté. Donc ça, je vais vous parler de binge drinking. D'accord? Et le binge drinking, c'est d'abord l'alcool, les effets, bon, vous connaissez, mais je rappelle. Donc c'est l'éthanol qui est responsable des effets psychoactifs de l'alcool. L'alcool a un effet sur la motivation, la décision et l'appétence. À faible dose, l'alcool est désinhibiteur et euphorisant. Et à dose plus élevée, eh ben, on retrouve certains signes physiques comme une haleine caractéristique, les yeux un peu injectés, un état de jovialité ou de tristesse, une logorrhée, on parle vite, on est désinhibé, on peut avoir des comportements agressifs, et puis on peut avoir des temps de réaction allongés face à certaines situations, du mal à articuler, du mal à coordonner ses membres, ça peut aller jusqu'au trouble de l'équilibre, aux chutes, et même ça peut aller sur les comas. Dans les cas les plus extrêmes. L'alcoolisation chez les jeunes, hein, les alcoolisations paroxystiques intermittentes ou le binge drinking, c'est des jeunes autour de 16-18 ans qui vont consommer de l'alcool en groupe avec des ingestions immédiates, rapides, à recherche d'ivresse, d'accord? Ça peut être combiné à des boissons énergisantes, et je vous rappelle que les boissons énergisantes sont hyper toxiques quand elles sont consommées avec de l'alcool. Elles sont hyper toxiques parce qu'elles annulent un peu l'effet de l'alcool. Ça peut être consommé aussi avec des boissons sucrées. Ça peut être associé ou non à d'autres produits. On va dire en premier lieu le tabac, mais il peut y avoir aussi du cannabis ou d'autres choses. Et surtout, c'est le plus souvent à jeun. Donc, à jeun, les effets de l'alcool sont beaucoup plus rapides. Alors, on parle de mésusage d'alcool. Donc, c'est des comportements, vous voyez, ça sort un peu du contexte dépendance, hein. Ce sont des comportements de consommation qui sont moins fixés qu'à l'âge adulte. Ça, c'est la première chose. Et, attendez, j'ai un problème, voilà, de slide. Voilà, c'est bon. Et ce mésusage, alors je ne sais pas pourquoi il y a deux traits rouges hein, sur les slides, je ne sais pas pourquoi. Le mésusage du jeûne, ben, c'est fin de semaine, en groupe et recherche de sensations. C'est essentiellement ça, hein, la conso d'alcool chez les jeunes. Et c'est des choses sur lesquelles il faut agir. Il y a des individus, surtout en seconde partie d'adolescence, hein, plutôt un début d'âge adulte-jeune, qui vont être engagés dans des processus potentiellement addictif. Chez les jeunes, ça ne sert à rien de leur dire tu vas faire une hépatite, hein, une inflammation du foie, tu vas faire une cirrhose, donc un foie qui fonctionne quasiment plus, tu vas faire des atteintes nerveuses périphériques, ça ne sert à rien de leur dire ça. Eux, ils se disent bon, moi, je n'ai pas ça, donc je ne vois pas pourquoi. Et surtout, il y a moins de conséquences avec ce mésusage, mais il existe. Mais les grandes conséquences du mésusage d'alcool, ben c'est plus d'accidents de la voie publique, plus de violence, plus de conséquences psychosociales, hein, comme de moins bons résultats scolaires ou un échec scolaire, un désinvestissement, des tentatives de suicide, et qui sont liées justement à ces consommations excessives de fin de semaine. Les grands critères de mésusage de l'adolescent, donc c'est la prise de substances dans des situations à risque. Des quantités consommées importantes, il y a des conséquences de consommation, il y a une compulsivité de la conso, donc comme le binge drinking, hein, c'est consommer beaucoup et vite en un temps record. Et le critère, on va dire, de gravité, c'est la persistance de ces consommations dans le temps. D'accord? Si c'est un épisode ou deux, on va pouvoir agir, mais sinon, on va être dans des process pathologiques complexes. Est-ce que ça va? Est-ce que tout est clair pour vous? Répondez-moi par le chat. Super. Donc je continue alors si vous êtes d'accord. Super. Donc le binge drinking, c'est quoi? Ou les alcoolisations paroxystiques intermittentes, c'est on consomme des verres standards, d'accord? Lors d'une seule occasion, le week-end le plus souvent, en moins de 2 heures. Et il y a des différences garçons-filles, en gros, c'est 4 verres pour les filles, 5 plus de 4 verres
pour les filles, plus de 5 bières pour les garçons. Mais bon, c'est vrai que c'est assez confondu. Et le binge drinking chez les jeunes, c'est être ivre. Donc, c'est avoir une alcoolémie positive, même très positive. D'accord? C'est ça le but du binge drinking. C'est en public, c'est fréquent. L'alcool est plutôt acheté en dehors du contexte parental, hein, c'est par exemple les copains, les frères ou les sœurs. Il y a une tolérance des parents concernant l'intoxication alcoolique aiguë de leurs enfants. Bon, ils disent, ouais, écoute, c'est pas très grave, etc. Ça, c'est un facteur de risque. Et surtout en France, il y a ce côté culturel et historique, hein, de l'alcool qui est un facteur un peu péjoratif, surtout chez les jeunes. Qu'est-ce qui se passe sur le cerveau? Vous savez que j'adore les cerveaux. Mais sans rentrer dans les détails, je vous l'ai dit, l'adolescence, c'est une période de maturation cérébrale, c'est jusqu'à 20-25 ans. Eh bien, on s'aperçoit que le binge drinking peut entraîner une réduction de densité de certains neurones, notamment des neurones impliqués dans l'apprentissage, donc des conséquences à l'âge adulte. Donc, ces zones-là sont moins bien formées, bon, et un risque de défaut, hein, de déficit d'apprentissage et de mémorisation, par exemple. Quand on compare un cerveau de 15 ans non consommateur, le non-drinker, et de heavy drinker, c'est-à-dire qui boit beaucoup, hein, 15 ans, hein, quand même, vous voyez les différences d'image. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Écrivez-moi par chat. Vous voyez quoi? Ouais, on voit des zones rouges. Où ça? On voit bien que dans le cerveau d'un 15 ans qui boit beaucoup, eh ben, il y a des altérations de ses consommations qui peuvent être réversibles, bien évidemment, ou irréversibles, si les consommations sont énormes. Et ça peut altérer le développement justement cérébral des adolescents. Et ce cerveau ne devient plus schématiquement bleu, comme on l'a montré au tout début de ce topo. Alors, quelles sont les complications du binge drinking? Eh ben, on les a vues un peu, mais en gros, vous voyez, il y a une partie psychosociale. Fléchissement scolaire, rapport sexuel non protégé, les accidents de la route, de la voie publique, les troubles du comportement, des grossesses non désirées. Et de l'autre côté, vous avez le physique avec des risques de crise d'épilepsie, hein, quand il y a du binge drinking il y a plus de 10 verres jour, des vertiges, des malaises, des traumatismes, l'infarctus du cœur, des troubles anxieux, des troubles du comportement alimentaire. Donc vous voyez, c'est un truc à la fois social, psychologique et physique. Donc, le binge drinking n'est pas sans conséquence. Là, avec la levée de tout confinement global, il va avoir des rassemblements, il va avoir des rassemblements de jeunes. Il faut agir sur terrain et faire attention à ces rassemblements, d'une part par les risques pour les risques de binge drinking, d'autre part pour les risques de propagation du Covid, puisque comme vous le savez, là, même s'il y a peu de gens en réanimation en ce moment, on a une augmentation des contaminations de Covid. Alors, l'alcoolorexie, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ben, l'alcoolorexie, c'est quoi? Merci de répondre sur le chat. L'alcoolorexie, c'est une variante de binge drinking chez la fille. C'est quoi? C'est le mélange de restrictions alimentaires, donc elles se mettent à jeun, combinées à du binge drinking. Et en fait, qu'est-ce qu'elles font? Elles multiplient les épisodes sans manger pour réduire le nombre de calories et affiner leur silhouette. Et à côté de ça, elles boivent très vite de l'alcool à jeun. D'un côté, elles économisent de l'argent en ne mangeant pas pour acheter de l'alcool. Et de l'autre côté, ben, elles se mettent à risque. Et qu'est-ce qu'on retrouve aussi chez ces jeunes étudiantes ou ces lycéennes? On peut retrouver des possibles épisodes de binge eating. Binge eating, c'est comme le binge drinking, mais avec l'alimentation.
avec de la purge, donc elles vomissent, pour éliminer les calories superflues. D'accord? Cette alcoolorexie est très très médiée par les réseaux sociaux et il faut vraiment en parler avec vos adolescents et surtout vos adolescentes parce qu'il y a des images qui circulent sur Instagram, TikTok, etc., où il y a une espèce de culte du corps hein, dans des photos, même dans des petites vidéos. Et justement, l'alcoolorexie est un peu indirectement mise en avant. Alors, les conséquences de l'alcoolorexie peuvent être graves. Il peut y avoir des désordres nutritionnels, des problèmes de foie, des problèmes cardiaques et vasculaires, et bien sûr les risques d'intoxication alcoolique aiguë. Et il y a des co-addictions, hein, pas des co-additions, excusez-moi, qui peuvent se rajouter. Vous en aviez jamais entendu parler? Ben, je suis très content que Corbeil-Essonnes fasse ses conférences alors, parce que c'est vraiment capital, je crois. Merci à la ville de Corbeil-Essonnes, à Martine Soavi, toute l'équipe et Bruno Pirriot. Je crois que vous pouvez remercier par chat l'équipe municipale. Il n'y a aucune mairie qui fait ça. Alors, comment on évalue justement? Vous allez me dire, bah, ok, vous nous avez donné des infos et tout, mais comment on va évaluer nos ados? Alors, vous n'êtes pas des spécialistes, mais il y a un questionnaire sur lequel que j'avais validé il y a quelques années qui s'appelle le questionnaire ADOSPA. C'est pour la contraction de adolescent et substance psychoactive, hein, donc adolescence et drogue. Et donc, vous voyez, il y a 6 questions en oui-non. La 1, c'est es-tu déjà monté dans un véhicule conduit par quelqu'un qui avait bu ou qui était défoncé? Utilises-tu de l'alcool ou d'autres drogues pour te détendre, te sentir mieux ou tenir le coup? As-tu déjà oublié ce que tu avais fait sous l'emprise de substances, l'alcool compris? Consommes-tu de l'alcool ou d'autres drogues quand tu es seul? As-tu déjà eu des problèmes en consommant de l'alcool ou des drogues? Et les reproches de l'entourage. Donc, un score supérieur ou égal à 2, c'est un risque modéré. Un score supérieur ou égal à 3, c'est un risque élevé. Quand il y a un score supérieur ou égal à 3, il faut quand même le montrer l'ado à un spécialiste des addictions. Le protoxyde d'azote, ça vous parle ou pas? C'est un vrai enfer en ce moment, hein, le protoxyde d'azote. Je vous en parle un peu du proto? Alors, le proto, il faut en parler. Donc, il y a des arrêtés d'interdiction du proto. L'histoire, c'est quoi du proto, rapidement? C'est découvert en 1772. C'est la première fois que je fais ce topo sur le proto, donc je suis très content de le faire à Corbeil, donc par Priestley. Donc, dès la fin du XVIIIe siècle, c'est utilisé comme un phénomène d'attraction, hein, en tant que gaz hilarant. Hein, c'est ça, d'ailleurs. Domaine médical, comme en anesthésie et en analgésie, hein, contre la douleur. Utilisation en psychiatrie dans la dépression résistante et dans divers troubles addictifs, utilisation en chimie, utilisation dans l'industrie. Quels différents types d'industries? La pharmacologie du proto, en fait, ça va agir sur plein de récepteurs dans le cerveau, je ne rentre pas dans les détails, mais pour vous dire, ça va se fixer dans beaucoup d'endroits du cerveau. Ça va se fixer sur les récepteurs opioïdes, c'est un peu les mêmes récepteurs que l'héroïne ou la morphine. Ça va se fixer sur les récepteurs NMDA. Il y a l'alcool qui peut se fixer dessus. Ça va se fixer sur les récepteurs GABA, l'alcool, les tranquillisants peuvent se fixer dessus. Et il y a plein d'autres récepteurs. D'accord? Donc ça veut dire que quand on prend du proto, tout se fixe dans le cerveau. Et si vous prenez du proto avant la fin de la maturation cérébrale, même après, mais même avant, ben, il y a encore beaucoup plus de risques. Le mode de consommation du proto, qu'on appelle N2O, hein, en chimie, eh ben, on inhale le gaz avec un ballon de baudruche, d'accord? Après avoir craqué la cartouche pour l'ouvrir. Et ce qu'on voit dans les rues, c'est des tonnes de cartouches par terre. Enfin, des tonnes, j'exagère, mais on voit beaucoup de cartouches par terre. C'est bon marché, on peut l'acheter n'importe où, enfin, surtout sur Internet. Alors, le proto, quand on en prend, eh ben, qu'est-ce qui se passe? L'intoxication aiguë, c'est je vais consommer du proto. Donc, il y a plein de symptômes, des vertiges, des maux de tête, des sifflements d'oreilles, une mauvaise coordination des membres,
des troubles de la vigilance, hein, avec la perte de conscience, ça peut aller jusqu'à la perte de conscience, on peut tomber d'un coup, hein, des angoisses, des attaques de panique, et on peut avoir des complications neurologiques. Et il y a des facteurs de risque, hein, de ces complications neurologiques qui peuvent être très graves, parce que ça peut atteindre la moelle, hein, épinière. Donc, il y a déjà, si on est carencé, on a une maladie de la vitamine B12, on a un risque. Si on consomme dans un environnement qui est très peu ventilé, il y a un risque. Quand on consomme des doses élevées, 50 à 100 cartouches en moins de 3 heures, il y a un risque. Et roué répété, plus de 70 cartouches par semaine, il y a un risque. Et ce risque neurologique, hein, est pas négligeable, hein. Excusez-moi, j'ai problème de slide. Hop, voilà, je vais mettre ça comme ça. En chronique, c'est je continue. Ben, en chronique, on peut se faire une, ça peut être neurotoxique et ça peut entraîner un déficit. Enfin, ça peut résulter principalement, je veux dire, d'une moins bonne oxygénation cérébrale. Il y a aussi des troubles neurocognitifs qui peuvent être potentiellement irréversibles, avec une aphasie. Une aphasie, si on n'arrive plus à dire certains mots. Une aphasie, trouble de la mémoire, des paresthésies, c'est des fourmillements des membres. On peut avoir une faiblesse musculaire des extrémités des membres. On peut avoir une perte de la sensibilité. Des équilibres vésico et intestinaux, d'accord? Des troubles urinaires et rectaux. On peut avoir, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, mais plein de complications neurologiques qui peuvent être potentiellement graves. Vous connaissiez un peu le proto, les complications? Je vous laisse répondre un peu sur le chat. Super. En chronique, qu'est-ce qu'on peut avoir en plus de la neurologie? On peut avoir des atteintes du sang, avec donc, je vous disais, l'atteinte de la moelle, avec un déficit des globules rouges et de l'hémoglobine, avec un déficit des globules blancs, avec un déficit des plaquettes, hein, qui servent à la. Et puis, on peut avoir une atteinte de toutes ces lignées, hein, donc une atteinte sévère au niveau du sang. On peut avoir des troubles cardiaques, avec une hypotension artérielle, une tension, des troubles du cœur. Du cœur, des atteintes vasculaires, des atteintes cérébrales et des embolies pulmonaires. Hein. Et donc, on peut avoir aussi des troubles psychiatriques avec les capsules, l'indication capsule de proto, dépression, hallucinations, des délires psychiatriques, de la paranoïa et des idées suicidaires. Et bien évidemment, certains peuvent développer, on ne le dit pas assez, mais un trouble addictif, une vraie addiction au protoxyde d'azote. Apple Drunk, le Vous m'entendez là? Il y a une coupure de son, on m'a dit. Vous m'entendez? D'accord, le son est revenu. Ça vous parle, le Lean ou le Purple Drunk? Ouais. Alors, le Lean ou le Purple Drunk, c'est une catastrophe aussi. Donc, c'est les ados, qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est un peu. Je ne sais pas si vous connaissez le DJ Avicii, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui a une vingtaine d'années. Ça vous parle ou pas, Avicii? Ben, il est mort de ça. Il est mort d'utilisation d'opioïdes. En fait, le Lean ou le Purple Drunk, c'est des cocktails qu'on appelle Dirty Sprite, par exemple, ou du Code Sprite. Aux États-Unis, on appelle ça le Texas Tea. En fait, ceux qui ont popularisé le Purple Drunk, c'est la scène hip-hop américaine dans les années 90. Je ne diabolise pas la scène hip-hop, mais bon, ça a été un peu popularisé. Qu'est-ce que c'est? C'est, en gros, on mélange du
sirop ou des comprimés codéinés dans une boisson sucrée, type boisson industrielle. Il peut avoir aussi de la boisson énergisante dedans. On mélange avec la grenadine ou des bonbons pour donner une couleur violette ou rouge. Purple, c'est pour le côté violet. Et certains mélangent aussi des antihistaminiques, hein, des anti-allergiques. D'accord? Et donc, vous allez avoir des effets de défonce. C'est des jeunes qui consomment ça toute la journée. Hein, ils ont des grandes bouteilles, un peu rosées. Et ce n'est pas du tout un truc festif dans un festival. Ça peut être comme ça dans la rue. Hein, des gens qui ont des grandes bouteilles de Sprite, des jeunes qui prennent ça pour se défoncer, en fait. D'accord? En plus des cigarettes, en plus du cannabis, en plus de ce que vous voulez. Mais il y a ce type de consommation à risque, avec des conséquences à risque, donc une altération du sommeil, des problèmes de transit, des prurites, hein, des démangeaisons, des troubles de la vigilance ou du comportement, et certains peuvent développer des crises convulsives. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ouais, non, y a pas de... Il y a des images qui sont perdues. Les effets secondaires à court terme, donc il y a un risque d'addiction, bien évidemment, vous l'avez compris, puisque c'est des médicaments. Pour inscrire tout ce qui est codéine et dérivés dans la liste des médicaments. Ça, on peut en pharmacie prendre du néocodion en boîte et le payer uniquement. Je vais terminer avec les poppers. Donc, les poppers, les vieux ados aiment ça, hein, les jeunes adultes. Les poppers, ce sont des vasodilatateurs consommés par voie intranasale. Oui, c'est des détails un peu sexy. On les ouvre. On a chaud, on est désinhibé. Et le popper, c'est aussi utilisé à visée sexuelle. Donc, le problème des poppers, c'est que ce n'est pas interdit, mais il y a des risques cardiovasculaires. Et il y a des risques avec cette désinhibition de ne pas se protéger, des risques de rougeur de la peau, de maux de tête, de chute de tension, et notamment au niveau des yeux. Il y a des risques de battements cardiaques forts et de dysfonctionnement érectile, hein, de dysfonctionnement d'érection chez le garçon. Un petit peu de cannabis, un petit rappel cannabis ou pas? Je vous adore. Vous me dites toujours oui, je vous adore. Le cannabis, on en avait parlé à la dernière conférence, mais là, je voulais vous le remettre dans le contexte, donc le remettre dans le contexte des ados. Donc, bien évidemment, il y a une expérimentation de cannabis chez les ados, pas tous, mais chez une immense majorité. Donc, ils vont goûter au cannabis. Certains vont s'accrocher au cannabis rapidement. Hein, c'est un potentiel addictif quand même assez fort, hein, puisque ça se fixe sur plein de régions du cerveau. Ces régions du cerveau qui sont impliquées dans le mouvement, les sensations, la vision, la coordination, la mémoire, la récompense et le jugement. Qu'en France, on consomme surtout de la résine et de l'herbe, moins de blunt. Les blunt, c'est de l'herbe dans des feuilles de cigare. Et de l'huile, c'est beaucoup plus rare. Hein. Qu'il y a différentes façons de fumer. Hein. C'est le joint d'abord, mais ça peut être aussi des bangs, hein, comme ce qu'il y a en bas à droite, hein, le bang artisanal avec une bouteille et un stylo bic, ou sinon le narguilé un peu poussé, ou même il y a le gangbong où on peut fumer à plusieurs, enfin inhaler à plusieurs les fumées. Et le problème, c'est qu'avec le gangbong, on peut se refiler plein de maladies, hein, puisqu'on inhale tous en même temps dans le même endroit. Que ce cannabis chez les ados, le marché est en pleine mutation et certains font de la cannabiculture chez eux, hein, ils font pousser chez eux, avec des petits systèmes artisanaux de pousse. Là, la photo, c'est une photo de cannabiculture, mais en grande quantité. Hein. Et qu'il y a des produits qu'on appelle les cannabinoïdes de synthèse qui font concurrence, hein, qui peuvent être achetés malheureusement sur Internet avec des risques de décès plus élevés qu'avec le cannabis. Ces cannabinoïdes de synthèse, les voilà. Bah, c'est vendu comme de l'encens d'herbe et c'est marqué « on ne consomme pas chez l'homme » et en réalité, on l'achète sur Internet. Et il n'y a pas de THC, il n'y a pas de tabac, mais ces cannabinoïdes ont les mêmes effets que le cannabis, certaines fois même plus forts,
il y a beaucoup plus de risques pour la santé. Cannabis et tabac, bien évidemment, eh ben, c'est consommé ensemble en France. Et donc, il faut comprendre en compte les deux effets, hein, des consommations, les deux risques des consommations. Donc, tabac et cannabis, beaucoup, 80% des usagers réguliers de cannabis fument du tabac. Et le tabac est la première cause de mortalité chez les fumeurs de cannabis. Alors, après avoir fumé un joint, on l'avait vu hein, ça la dernière fois, mais en gros, il y a une cinétique hein, de consommation, avec d'abord des signes physiques, puis des signes, on va dire, thymiques, hein, euphorie, etc. Des idées délirantes après 60 minutes, des modifications de la perception du temps, des hallucinations, etc. Alors, quand on fume, on a les yeux rouges. Hein, chez les ados, c'est un signe à marquer. Quand on fume, on a plus faim. Il y a des complications psychiatriques dès les premières prises possibles, hein, comme les bad trips, qui peuvent être aversifs. Hein, ceux qui font des bad trips souvent se disent « je vais arrêter de fumer ». D'autres vont essayer de continuer. Il y a ce qu'on appelle les syndromes de dépersonnalisation et déréalisation. Dépersonnalisation, on a l'impression que son corps sort de son corps. Déréalisation, on a l'impression que l'environnement qui nous entoure n'est pas très réel. Certains vont faire des troubles délirants avec des hallucinations. D'autres vont avoir des coups d'effet parano, ils vont être persécutés. Voilà la dépersonnalisation. L'image de la dépersonnalisation, c'est vraiment c'est ça. C'est on fume et on a l'impression que notre corps sort de notre corps et nous observe de l'extérieur. Hein, il y a aussi des troubles du sommeil hein, quand on fume. Et il y a un syndrome de manque qui existe hein, avec le cannabis, comme avec toutes les drogues. Alors, c'est bloqué. Voilà. Je ne sais pas pourquoi c'est bloqué. Donc, il y a un risque d'addiction. Hein. Excusez-moi la slide, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, il y a un risque d'addiction avec le cannabis, hein, avec des critères comme un usage, enfin, les 5 C que je répète sans arrêt. Donc, un usage continu, un usage compulsif, un craving, une perte de contrôle et des conséquences hein, sur la santé. Les effets respiratoires du cannabis, eh ben, ils sont multiples. Et chez les ados qui fument beaucoup, eh ben, il va y avoir des effets mixtes tabac et cannabis, des effets amplifiés dans certaines conditions d'inhalation. Tout ce qui est bang et douille, c'est plus à risque, hein, il n'y a pas de filtre. Le monoxyde de carbone, quand on fume un produit, c'est nocif. Ça va atteindre tout ce qui est transport d'oxygène au niveau du sang et des muscles. Et bien évidemment, on a une augmentation du risque au niveau cardiaque. Les effets sont multipliés, hein, cannabis et tabac, je ne rentre pas dans les détails, mais avec des atteintes artérielles, pulmonaires, cardiaques, des risques de cancer à long terme. Alors, l'ado, il s'en fout quand on lui dit ça, mais il faut quand même le signaler. Il y a des troubles psychiatriques, et là, le message, c'est que ça peut entraîner des angoisses, des attaques de panique, de la dépersonnalisation, de la dépression chez les sujets vulnérables, un risque suicidaire, des troubles délirants. Et le cannabis ne rend pas schizophrène ni bipolaire. Quand c'est le cas, c'est qu'il y a la maladie qui est préexistante. Et enfin, comment on peut évaluer nos ados et jeunes adultes en termes de conso de cannabis? Et bien avec un questionnaire qui s'appelle le CAST. C'est un questionnaire qui évalue la consommation au cours des 12 derniers mois. Vous voyez, il y a 6 questions. Chaque item va de jamais à très souvent avec des points. S'il y a un score de 3 points, le risque est modéré. Et si le score est de 7 points, on a un risque élevé d'usage problématique, voire de dépendance. Donc, c'est un questionnaire qui permet un premier débrouillage et qui permet une première orientation de nos ados qui consomment. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je suis joignable sur mail, sur les réseaux sociaux, hein, Twitter, Instagram. Vous pouvez aussi me regarder sur ma chaîne YouTube. Et puis, la prochaine conférence aura lieu le 30 juin. J'espère que vous serez là. Et là, on va passer à la session de questions. Mais peut-être, Martine, tu veux dire quelque chose? Oui, oui. Oui, merci, Laurent. Oui, je voudrais dire quelque chose une fois de plus. Je suis enchantée de ce que je viens de voir. Donc, je suis élue à la santé et à la ville de Corbeil. Et
pour la municipalité, il était important de ne plus se contenter de dire on a un problème avec le protoxyde, on a un problème avec la drogue, on a un problème avec l'alcool. Nous souhaitions entamer ces conférences avec Laurent pour réfléchir aussi aux suites, comment on aide la population à comprendre les dangers que rencontre la population, mais particulièrement les jeunes, et comment on peut apporter des solutions. Donc, nous allons dans un prochain temps, après ces conférences, former nos animateurs de maisons de quartier, et ensuite, nous essaierons de mettre en place une permanence mensuelle pour que les gens qui se sentent concernés, qui ont envie d'être aidés, puissent l'être. Donc, je pense que ce cycle de conférences nous permet à nous, élus, de faire des propositions qui sont beaucoup plus en réponse aux besoins de la population, sans stigmatiser, sans juger, mais en prenant en considération tout ça. Donc, je pense qu'après, on aura aussi un travail à faire avec les collèges et avec le lycée. Mais bon, on en reparlera pour un second cycle de conférences, peut-être, ou une autre forme de présentation. En tous les cas, personnellement, je ne manque pas un rendez-vous et je pense qu'on peut faire de la pub pour ces conférences, hein, qui du coup sont gratuites pour les gens qui les regardent, mais qui nous apportent beaucoup. Moi, j'étais vraiment interloquée de voir les dangers, hein, comment les jeunes sont captifs, enfin, on peut les capter aussi facilement, hein. Donc on continue ensemble, et puis tout ce que vous écrivez est important pour nous. Voilà, merci. Merci Martine. Alors, est-ce qu'on va passer à la session questions? Est-ce qu'il y a des questions? On va passer. Vous pouvez passer en caméra et audio si vous voulez, hein, ou le chat, comme vous voulez. Mais ça peut être sympa, là, ce soir, on peut se faire un vidéo chat. Qui a des questions? Moi, j'ai une question. Oui, présentez-vous. Je m'appelle Renaud Colson, je suis juriste et oui, je suis spécialiste de droit de la drogue. Alors, merci beaucoup pour cette intervention absolument passionnante. J'ai deux questions distinctes. Une question, en fait, assez générale, qui porte en fait sur le biais de perception. Bien sûr, ces produits sont dangereux et les ados et les jeunes adultes sont exposés à un risque important, hein. Je ne nie pas cela, mais sur le biais de perception quand même qu'on peut avoir en tant qu'addictologue sur la proportion des usages problématiques et des usages non problématiques. Et parce qu'effectivement, j'entends tout ce que vous dites et en fait j'y adhère et j'y crois, mais en même temps ça nourrit dans la société des formes de panique morale qui génèrent des réactions juridiques et sociales qui sont parfois contre-productives, y compris dans les dialogues qu'on peut vouloir entretenir avec nos ados, parce qu'effectivement, on a l'impression que c'est diabolique, c'est affreux, le danger est énorme. Et c'est vrai qu'il y a du danger, mais en même temps, la dramatisation qui est propre au discours médical peut avoir, me semble-t-il, dans certains cas, des effets un peu contre-productifs. Ça, c'est le premier point un peu général. Je vais y répondre peut-être d'abord. Ouais. D'accord. Je suis tout à fait d'accord. La question est importante aussi parce qu'elle est Allez-y. Plus… Allez-y, oui. Pardon. Je vais répondre à ce premier point. Vous avez tout à fait raison que diaboliser ou banaliser, c'est contre-productif, quel que soit l'âge, hein, de toute façon. Qu'il y a des usages et des expérimentations à l'adolescence, on expérimente. Et tout le monde n'expérimente pas, mais beaucoup d'ados expérimentent. Ils vont expérimenter l'alcool, ils vont expérimenter le tabac, ils vont expérimenter peut-être devenir dépendants. Certains vont expérimenter le cannabis, d'autres vont expérimenter d'autres produits de manière ponctuelle. Le protoxyde d'azote est présent, il faut agir parce que c'est problématique. Les poppers, c'est pareil, c'est autorisé, le Conseil de l'État l'a autorisé. Les comportements, eh ben, tout ce qu'il y a derrière les écrans, le porno, etc. Donc, il y a un côté expérimentation que j'ai envie de dire, qui est, j'aime pas le mot normal, mais qui fait partie de l'évolution des ados. Et tout le monde ne le fait pas. Parce que certains ont des modèles, d'autres ont moins de modèles, et puis d'autres vont se calquer sur le modèle des pères et consommer. Alors, c'est vrai que diaboliser, ça ne sert à rien. Dramatiser, ça ne sert à rien. Banaliser, ça ne sert à rien, mais il faut sensibiliser, informer,
prévenir et apprendre aux parents à parler avec leurs enfants des produits. Et il faut, à mon sens, en parler le plus précocement possible. Ça, c'est le premier point. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question partiellement. Ouais. Et ma deuxième question est, en fait, porte sur le protoxyde d'azote, parce que je suis en train de... Il y a une loi qui vient d'être votée par le Parlement là, sur le protoxyde d'azote qui incrimine la présentation, l'incitation à l'usage chez les mineurs et interdit la vente aux mineurs, ce qui me semble être tout à fait raisonnable. Mais je dois commenter cette loi. Et là où je m'interroge un peu, et vous allez pouvoir me renseigner, c'est sur la réalité, enfin la proportion des usages problématiques par rapport aux usages non problématiques, parce que j'ai vu une note de l'ANSES qui laisse entendre qu'en 3 ans, en fait, il y a eu 66 cas d'intoxication recensés, dont seulement une dizaine de cas sévères. Donc les mômes prennent du protoxyde d'azote, effectivement, ce n'est pas bon, il faut éviter. Usage chronique, usage aigu, dangereux également. Mais est-ce qu'on n'a pas affaire là aussi à quelque chose qui relève d'une dramatisation et là moi j'écris mon papier, en fait je ne sais pas s'il faut que je dise ok c'est sérieux mais n'exagérons pas, ou si au contraire il y a le feu au lac, et je compte sur vous pour me renseigner, pour m'aider à écrire ma conclusion, parce qu'il y a une dimension il y a aussi une dimension sociale, c'est-à-dire que oui. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quelques articles dans la presse autour effectivement des cartouches et dans la rue. Et de là, on a inféré le développement et l'explosion d'un fléau, d'un nouveau fléau du protoxyde. Non. Et est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce que bon, ça existe depuis toujours, le protoxyde, hein? Oui, oui, non, bien sûr, ça existe depuis toujours. Ça a été utilisé dans certaines fêtes, ça a été détourné, etc. Le problème du proto et des ados, c'est le risque, en fait. En fait, on est plutôt là dans la prévention du risque qu'autre chose, parce qu'on sait très bien que un produit OK de vente, mais les produits interdits on peut les obtenir. Donc l'idée, c'est d'informer sur ces risques. Alors on n'est pas, bien sûr, les chiffres que vous relevez sur plus de 60 cas avec quelques cas sévères, ça c'est important, c'est un indicateur important. Mais l'idée, c'est pas de encore une fois de dire oh là là, enfin. Ce n'est pas un fléau, etc. L'idée, c'est de dire, voilà, il y a un produit, il est mésusé, il y a des risques, dont des risques qui sont potentiellement graves du fait de l'accessibilité importante du produit. C'est plutôt ça. Et l'idée, c'est d'aller dans une politique de réduction des risques et des dommages chez chez au-delà des gens qui peuvent l'acheter. Vous voyez ce que je veux dire? Merci beaucoup. Je vous en prie. J'aimerais bien lire votre papier, en tout cas, envoyez-le-moi. Oui, tout à fait. Alors, Charlotte pose une question. Y a-t-il une récurrence, un type de profil que l'on peut retrouver chez les personnes qui développent une addiction? Existe-t-il un environnement plus favorable qu'un autre? En fait, c'est la slide que j'ai montrée avec toutes les cases, en fait. Donc, toutes ces cases, il faut qu'elles soient déséquilibrées pour qu'on soit plutôt addict. Leïla. Comment l'entourage peut venir en aide à un individu qui est accro au cannabis et qui en est conscient? D'accord. Déjà qu'il soit conscient de sa consommation addictive au cannabis, c'est un premier point important. Le deuxième point important, c'est maintenir un lien et un dialogue. Ça, je l'avais dit précédemment. Le troisième point, il y a des consultations jeunes consommateurs qui peuvent aider l'entourage, mais qui peuvent aider aussi le consommateur. Donc, vous pouvez trouver sur Internet les adresses de CJC. J'espère que prochainement à Corbeil, on aura une antenne pour répondre à ces questions. Et l'entourage doit, dans cette question-là, accompagner justement cette personne consciente de sa consommation problématique pour qu'il se fasse d'abord, dans un premier temps, évaluer. Après, vous pouvez aussi utiliser le CAST, le questionnaire que je vous ai montré, le passer à la personne et qu'il le remplisse et qu'il vous. Donc, ça ne fonctionne donc que pour les ados. C'est jeunes consommateurs essentiellement et entourage. Sinon, il y a les centres d'addictologie, les centres ambulatoires d'addictologie,
et les centres services d'addictologie dans les centres hospitaliers. Lorraine, un mot sur l'envie d'autodestruction, le dégoût de son corps et de soi à l'adolescence. Eh bien, ça fait partie, ça, des facteurs de risque, Lorraine, dans la case comportement et dans la case développement. Donc, ces éléments-là sont à prendre en compte, font partie de la clinique de l'adolescent, l'aspect négatif, et qu'il faut prendre en compte, justement, quand on traite les adolescents. Serge, ce qui est saisissant, c'est comme l'exprime le titre, le glissement du plaisir à autre chose, dépendance, non-plaisir. Oui, c'est ça, Serge. C'est en fait, le produit en soi va utiliser les quatre circuits que j'ai présentés, mais à force de consommer ces produits, qui sont des produits, qui sont des circuits à la base pour le plaisir, et la récompense, et la motivation, etc., et ben, ils vont être désynchronisés, donc être déséquilibrés et induire une pathologie. D'autres questions? Moi, j'en ai. Alors, je ne sais pas si on m'entend. On vous entend. Présentez-vous. Alors, j'ai plusieurs questions. Présentez-vous. Alors, moi, je suis Virginie. Enchantée. Je m'intéresse pas mal aux addictions. Et là, il y a des points que je n'avais jamais vus avec vous. Ouais. Alors, j'ai vu que vous parliez d'antihistaminique par rapport au Purple. Ouais. C'est uniquement pour contrer en fait les effets du mélange en fait. C'est uniquement pour les effets indésirables. Ou alors il y a une autre raison. L'antihistaminique là est utilisé pour l'effet sédatif de l'antihistaminique en fait. Ça endort un peu, donc ça défonce un peu. Ça endort beaucoup l'antihistaminique, non? Ouais, donc c'est utilisé pour ça en fait. Oui, donc ça fait un cocktail encore plus explosif avec. Exactement. Ok, j'avais aussi une question sur le poppers. Alors, ça circule énormément. Hein. Là, de plus en plus jeune, c'est vraiment utilisé surtout pour le sexe, en fait. J'ai remarqué autour de moi et des enfants ados que j'ai autour de moi. Et en fait, je me demande s'il y a une dose à ne pas dépasser parce que c'est généralement inhalé. Alors, je ne sais même pas s'il y a d'autres façons de prendre le poppers, si ça se fait. Mais en général, c'est inhalé. Et est-ce qu'il y a une dose à ne pas dépasser? Parce qu'il y en a qui sniffent ça toute la soirée. Donc, est-ce qu'il y a une dose? Comment... Il n'y a pas de préconisation de dose, si vous voulez. Il n'y a pas de seuil de dose. C'est tellement variable en fonction des individus. Ceux qui vont consommer toute la soirée, c'est ceux qui ont un seuil de tolérance plutôt élevé. Donc, mais il n'y a pas de dose à... Il n'y a pas de dose recommandée où il n'y a pas de risque. L'idée, c'est de réduire les risques au maximum. Donc, dans une situation de réduction des risques, c'est consommer le plus propre possible et le moins possible, en fait. Et il y a d'autres modes d'administration ou pas? Parce que c'est que sniffer, en général, il n'y a pas de... C'est socialement intranasal. Okay. Concernant les bangs, moi, je me posais la question si... Donc, il y a le bang artisanal qui est souvent en bouteille plastique et il y a ceux qui sont en verre. Est-ce que là, il y a une toxicité par rapport au matériau qui est utilisé ou pas? C'est-à-dire le plastique, etc. Oui. C'est possible. C'est possible qu'il y ait une toxicité, on va dire, indirecte. D'accord. Et ma dernière question, c'était sur les questionnaires en fait, qu'on peut trouver majoritairement sur Internet. Les questionnaires en fait, pour évaluer... pour évaluer comme le CAST par exemple, etc. Est-ce qu'on peut utiliser ça, donc même avec les adolescents, etc., en famille en fait, sans être professionnel, et ensuite amener le questionnaire qu'on a réalisé avec nos enfants ou des gens autour de nous? On peut les utiliser, oui, on peut sûr. Les trouver. Oui, bien sûr, ça peut être utilisé. Bien sûr. Ah ben c'était tout. Ça peut être... Merci Virginie pour votre motivation. Merci. Alors, les questions aussi mec. Est-ce qu'une personne addicte à un produit a toujours autant de plaisir à consommer ou le fait-elle à force plus par besoin? Aussi mec, une personne qui est addicte n'a plus de plaisir. Et donc, il y a une perte de plaisir dans l'addiction. Et donc, elle consomme parce qu'elle a tout déséquilibré dans son cerveau. Et donc, il y a ce manque, il y a cette envie irrésistible de consommer qu'elle ne peut plus gérer. Leïla, y a-t-il des séquelles liées à une prise ou deux de poppers?
C'est extrêmement variable, hein, comme je le dis. C'est rare qu'il y ait des séquelles après une prise de poppers. C'est possible. Tout est possible en médecine, en fait. Et il y a des séquelles sur le long terme. Il peut y avoir des accidents avec des prises de poppers répétées, notamment des accidents au niveau du nez, parce que c'est inhalé. Il peut y avoir des accidents aussi qui ont été répertoriés, des accidents ophtalmologiques, hein, avec atteinte du nerf optique. Serge, y a-t-il une évolution de la chimie vers des produits de plus en plus dangereux, comme la méta? C'est quoi la méta? Je ne sais pas ce que c'est la méta. J'ai vu un reportage récemment, la méthamphétamine, non? Quelque Ah, chose comme ça? ah d'accord, la meth. Ah, d'accord, ok. Ouais, la méthamphétamine, en fait, c'est une drogue de synthèse, mais qui est ancienne. Il y a plutôt une évolution vers des nouveaux produits de synthèse, comme les cathinones de synthèse. Ce sont des produits, en fait, synthétiques qui miment absolument toutes les drogues qu'on connaît avec des risques plus importants. Et je devrais vous faire un jour un topo sur les nouveaux produits de synthèse, en fait. Merci, Serge. Un petit mot sur le cannabidiol. Bah, le cannabidiol, c'est un des composés du cannabis. Il n'est pas addictif. Il vaut mieux. Le cannabidiol se consomme de différentes façons. Il peut se fumer, il peut se vaporiser, il peut se vapoter, il peut aussi être utilisé en huile, il peut être utilisé aussi en lotion, il peut être utilisé aussi en crème cutanée. Alors le cannabidiol, bien sûr, le risque chez le jeune, c'est de fumer le cannabidiol, fumer les têtes. Et donc, encore une fois, comme je disais la dernière fois, tout ce qui se fume est à risque, parce que la combustion de produits dégage du monoxyde de carbone qui est toxique pour le sang et les muscles. D'autres questions? N'hésitez pas, hein. Allumez votre caméra, allumez votre audio. Quelqu'un lève la main. Alors, qui a levé la main? Je vais répondre à Linda. Elle a une question sur les boissons énergisantes et l'alcool. Alors, l'effet à craindre, c'est quoi? En fait, les boissons énergisantes, tout ce qui est vendu pour les boissons énergisantes, c'est du fake, hein. D'accord? Il n'y a rien d'énergisant dans les boissons énergisantes. C'est beaucoup de caféine et de taurine. Vous imaginez bien, si vous buvez beaucoup de café, vous allez être un peu speed. C'est ça, les boissons énergisantes. Et en fait, couplé à l'alcool, boissons énergisantes plus alcool, et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les jeunes, hein, même chez les plus âgés qui veulent faire la fête, et ça va être encore pire là, après fin juin, c'est que les boissons énergisantes masquent l'effet de l'alcool. C'est-à-dire que les boissons énergisantes, c'est comme si elles annulaient l'effet de l'ivresse, alors qu'on est ivre, et donc il y a beaucoup plus de risques. Quand on conduit son scooter, quand on conduit sa voiture, quand même on peut être désinhibé, on peut avoir des rapports à risque, etc., etc. Donc les boissons énergisantes plus alcool, mauvais mélange. Bonjour, professeur Carilla, Laurent Caffarel, je suis patient expert addiction chez France Patient Enchanté. Expert Addiction. Je travaille comme bénévole sur le groupe Je ne fume plus. J'avais une question. Dernièrement, on voit apparaître beaucoup de boissons alcoolisées arrangées au CBD, notamment du rhum arrangé au CBD, et qu'on retrouve de plus en plus en vente dans les boutiques de vape. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, niveau dangerosité, etc., etc. Alors, on a très peu de recul, mais encore, on a très peu de recul dessus, mais encore une fois, le CBD a plutôt des propriétés anxiolytiques, apaisantes, etc. Et l'alcool, ça a les propriétés qu'on a décrites. Donc, je pense qu'il y a potentiellement des risques de consommation de ce type de produit, hein. Notamment, c'est des produits qui sont, on va dire, très marketés et qui peuvent attirer les jeunes plutôt, Oui, tout à fait. hein. Ouais, c'est risqué. Il faut en parler. Mais il y a un autre point aussi, c'est les eaux gazeuses alcoolisées. C'est un autre problème aussi. Oui. Merci. Merci Laurent pour tout. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste quelques minutes. La prise de CBD, Layla, pour l'anxiété est-elle suivie? Ça veut dire quoi?
Est-elle suivie avec un médecin? En fait, le CBD n'a pas d'action thérapeutique, enfin, n'est pas comment dire, validé comme agent thérapeutique. Donc, on ne prescrit pas, nous, de CBD en consultation, même s'il y a des propriétés anxiolytiques. Virginie veut poser des questions. Est-ce qu'on peut ouvrir le micro de Virginie alors? Je crois que c'est bon. C'est bon. Je me posais la question par rapport aux boissons justement sans alcool. Alors, il y a des très très jeunes qui commencent. Enfin, j'ai vu certains parents autoriser en fait leurs enfants à boire tout ce qui est bière sans alcool, etc. Je me posais la question sur l'impact que ça pourrait avoir. Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'alcool. Mais on retrouve quand même, notamment par exemple pour la bière, et même j'ai vu des vins sans alcool. Alors le goût est moins prononcé que pour un vrai vin, mais pour la bière, en tout cas, c'est vraiment très, très identique. Et je me demandais en fait si on m'a montré qu'il y avait un lien peut-être par rapport à une addiction à l'âge adulte, ou en tout cas une tendance justement à pousser un petit peu des consommations un peu plus excessives en grandissant. Ben, en gros, il y a un phénomène de modélisation qui est valable pour tout. C'est que déjà, voir ses parents consommer n'importe quel type de produit, ça rentre dans la modélisation. Donc, on se dit, ben, nous, quand on sera grand, on va faire pareil. Et initier des jeunes, bon, si c'est une fois, ce n'est pas très grave. Mais donner des boissons alcoolisées, enfin, des boissons type bière, vin, sans alcool à des jeunes, eh ben, ça sensibilise un peu à l'idée de pouvoir goûter. Après, c'était comme les bonbons au Mojito ou d'autres choses comme ça. C'est le même risque en fait. C'est Il y pas une avait les bonne cigarettes au chocolat quand on était tout petit aussi. idée. C'est Hein. ça. Ouais, c'est pareil. C'est pas une C'est bonne pareil. idée. Ouais. Ok. J'avais une dernière question, professeur Carilla. J'ai lu il y a quelques jours une étude américaine, californienne de mémoire. Qui faisait l'analyse en fait du cannabidiol porté à haute température dans soi-disant du matériel de vapotage. Donc les températures sont de l'ordre de 400 degrés, ce qui est complètement absurde dans du matériel de vapotage. Mais ce qui est intéressant, c'est Ouais. ce qu'ils ont constaté, c'est que le cannabidiol, en se dégradant à ces températures-là, serait un précurseur du THC. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Répétez la fin de la question, le Le CVD. cannabidiol, donc porté à ces températures, 350-400 degrés, Ouais. serait selon leurs analyses de dégradation du produit un précurseur du THC avec apparemment des produits de dégradation qui seraient de l'ordre de 70 à 90% de THC. Il faudrait que je lise le papier, là, je ne peux pas vous répondre, j'ai peu de recul sur ça, mais ça me paraît très expérimental comme étude, non? Ça me paraît aussi très expérimental. Cela dit, a priori, le protocole est scientifiquement correct. Ce qui est étonnant, c'est de voir d'un côté des décisions au niveau européen qui classent le CBD, donc le cannabidiol, comme étant un produit non psychotrope. Ouais. Et d'un autre côté, de voir que quand on l'utilise à des températures élevées, ce serait donc un produit qui se dégraderait en THC, qui par nature est un psychotrope. Ouais, mais c'est sympa. Il faut que je voie l'étude en détail. Ok. Mais des connaissances qu'on a basiques, c'est que c'est vraiment deux agents distincts, les plus importants du cannabis. Mais vous avez d'un côté THC et de l'autre côté cannabidiol qui sont distincts, a priori. Donc ça me paraît, il faut que je voie le papier, en fait. Ok. Si vous pouvez me l'envoyer, vous m'envoyez les références par mail, je viens lire le papier Je vous l'envoie. et vous envoyer un message. Je vous. Mais comme ça, le cannabidiol qu'on a priori, même vapoté ou vaporisé, c'est sans risque, quoi, globalement. D'accord, merci. Je vous envoie l'étude. Ouais, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une petite dernière question et après, on se retrouve le 30 juin? Le 30 juin, c'est le jour de la fin en plus de toutes les restrictions Covid. Donc le 30 juin, nous sommes tous guéris, entre guillemets. Je plaisante, bien évidemment.
Alors, super, Oui. deux dernières questions, je vais en avoir une dernière. Lundi, c'était la journée mondiale sans tabac, Oui. dont le thème cette année était d'inciter les fumeurs à quitter le tabac, donc organisé au départ par l'Organisation mondiale de la santé. L'inconvénient, c'est qu'on voit de plus en plus une montée en charge de l'OMS contre le vapotage, qui est a priori un outil de réduction des risques. Et on a une évolution au niveau de législation européenne qui tend à durcir, voire taxer les produits du vapotage. Je voulais savoir réellement qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'outil de réduction des risques au niveau de la vape, parce qu'on parle beaucoup d'un phénomène de double utilisation qui serait éventuellement plus nocif, etc. En oubliant qu'un fumeur, bah, par nature, fume, et que les gens qui sont passés au vapotage exclusif, eux, par contre, ont quitté le tabac. Et on voit de plus en plus d'articles, hein, depuis Evali, aux États-Unis, et ainsi de suite, qui pointent du doigt une dangerosité qu'on n'a toujours pas réussi à démontrer sur le vapotage. Donc, je voulais savoir ce que vous pensiez du vapotage comme outil de réduction du risque pour les fumeurs. Moi, pour moi, c'est clairement un outil de réduction des risques et des dommages. Je l'ai écrit là, dans une tribu, dans un édito d'un journal de vape de Sébastien Béziot. Pour moi, c'est clairement un outil de RDR, la vape. Et avec beaucoup, 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 beaucoup multiplié par 1 million, j'exagère, de risques, de moins de risques que de fumer des cigarettes. Hein, on sait que le tabac tue, c'est la première cause de mort évitable dans le monde, 75 000 décès par an. Un fumeur sur deux meurt, un fumeur sur deux addict ou ayant une maladie mentale va mourir. Donc, clairement, pour moi, je le dis en tant que médecin, addictologue, professeur de psychiatrie, mais aussi homme, fan de métal, etc. Pour moi, la vape, c'est un outil majeur de réduction des risques. Merci. Merci à toutes et à tous. Alors, bien évidemment, pour une nouvelle conférence. À bientôt, passez une excellente soirée.